Amen. Gloire à Dieu. L'église luciférienne. Donc nous sommes dans Ézéchiel chapitre 28. Frères et sœurs, Satan aime beaucoup les églises. Alléluia. Écoutez bien, Satan aime beaucoup les églises. Satan aime beaucoup les ministères que Dieu suscite. D'accord? À chaque fois que une personne, à chaque fois qu'une personne reçoit de Dieu l'appel pour commencer une œuvre, dites-vous que Satan est déjà informé. D'accord? Et s'il n'a pas eu peur de transporter Jésus sur la montagne, certainement la montagne des Oliviers, également sur le sommet du temple, il n'aura pas peur de te transporter. Alléluia. Quelqu'un me suit-il ce soir? La Bible dit que les enfants de Dieu s'étaient réunis pour prier et Satan est venu au milieu d'eux. On n'a même pas dit qu'il était à côté. On a dit qu'il était au milieu. Lui, ce qu'il veut, ce n'est pas être à côté. Il veut être au milieu, au centre. Je peux vous assurer que chez les catholiques, il est assis depuis le commencement de ce mouvement. Chez les protestants, depuis le 16e siècle. Chez les évangéliques, depuis le 18e siècle. Chez les témoins de Jéhovah, dès sa naissance. Chez les mormons, c'est lui-même qui a créé ça. Alléluia! Vous êtes là? Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on est là, on croit que ah, Satan, mais il est dehors. Frère, vous cherchez Satan le deuxième monde, mais Satan est juste à côté de toi. Les enfants de Dieu s'étaient réunis pour prier et Satan est venu au milieu. Et vous avez vu, aucun des enfants de Dieu ne l'a démasqué. Et c'est Dieu qui va lui poser la question, Satan, d'où viens-tu? Et c'est là que les enfants de Dieu se sont aperçus que Satan était parmi eux. Frère, c'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. Ça, c'est dans Job 1 et Job 2. Ça veut dire que tel que nous sommes là, nous nous réunissons pour prier, Satan n'est pas loin. Oh Dieu, aide-nous. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. En gros, tu étais parfait lorsque tu fus créé. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous avez vu, la perfection revient à deux reprises. Hein. Il était créé parfait et il était parfait. La Bible dit qu'il était plein de sagesse. Cette sagesse va être corrompue pour devenir de la ruse. D'accord? Vous savez, une personne qui a beaucoup de connaissances, si elle ne craint pas Dieu, elle peut faire beaucoup de dégâts. Ben oui. Et tu étais en Éden. Donc Satan avait un Éden. Il y avait un Éden pour Adam. Il y avait également un Éden pour Satan. D'accord? Vous comprenez pourquoi quand il a perdu son Éden, il va maintenant convoiter l'Éden de Adam. Il va tout faire pour l'extirper de là. Lui, Satan, il a perdu son Éden. Il a perdu son ministère. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est que tu perdes ton ministère,
que tu perdes ton Éden. Chacun de nous a son Éden. Là-haut. D'accord? Le Seigneur l'a dit, je m'en vais vous réserver une place. Ah oui, c'est des jardins. On ne va pas être enfermé dans une maison là-bas, là-haut. Non. C'est fini là, les histoires de villa, machin, tout ça. Là. Tout ça, c'est fini, frère. Hein? Le Seigneur ne nous a pas créés pour être dans les maisons. Est-ce que vous savez que Dieu ne nous a pas créés pour être dans les maisons? Il nous a créés pour être dans la nature. Comment voulez-vous contempler l'œuvre de Dieu si vous êtes enfermé dans un bâtiment? Que ce soit une cathédrale, une basilique, la basilique Saint-Pierre, ou encore votre église de maison, tout ça, à laquelle vous êtes attaché plus qu'à Jésus. C'est la nature. Pour contempler les étoiles, les chants d'oiseaux. Vous voyez? Et là, Satan avait cet Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert. Vous avez vu? Regardez, on nous dit qu'il était, premièrement, il était parfait. Deuxièmement, il était sage. Troisièmement, il avait un Éden, un jardin d'Éden. Ensuite, on nous dit qu'il était couvert. De pierres précieuses. Waouh! Donc, ça veut dire qu'il était, riche. La richesse de Dieu, les pierres précieuses, mes amis, faisaient l'ornement de Satan, son habillement. Il était couvert de ces pierres précieuses et on les cite de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Waouh! Et ensuite, on nous dit qu'il y avait des instruments, des musiques. Vous vous rendez compte comment Dieu l'avait bien, mes amis, fourni, bien, n'est-ce pas, rempli. Il était parfait, donc d'une beauté terrible. Il était sage, d'accord? Il avait un jardin d'Éden dans lequel il y avait plein d'arbres, des fruits de toutes sortes, des oiseaux, des animaux de toutes sortes. Et on l'appelle le jardin de Dieu. Il était couvert de pierres précieuses. La richesse. Et il y avait toutes sortes d'instruments de musique. C'est-à-dire, quand le Seigneur l'a créé, lorsque Dieu l'a créé, quand Dieu l'a créé, les anges ont découvert des nouveaux instruments de musique et ils les ont utilisés pour adorer Dieu par les chants. Notez bien ces choses-là. Vous allez voir comment l'ennemi s'en sert maintenant aujourd'hui pour détruire les églises, pour détruire l'homme. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Donc, il était un chérubin protecteur. C'est-à-dire, Satan, les chérubins, comme vous le savez, constituent une classe, une des classes d'anges. Notamment, cette classe d'anges-là, particulièrement, s'occupe de la sainteté de Dieu. Dieu, d'après les Écritures, est assis sur eux. Son trône, c'est les chérubins. Son trône est rempli de chérubins. Voilà. C'est terrible, hein? Sa vie. Quand vous lisez Ézéchiel 1, vous allez voir que le trône de Satan, c'est des chérubins. Ces anges-là, ils sont tellement saints. Tellement. Les chérubins, ils sont saints. Purs. Les chérubins, ouais. Pas Satan. Les anges de Dieu, pardon. Ah non, les démons ne sont pas saints. Ils sont impurs. Alléluia. Je voyais les visages bizarres, je me disais, mais qu'est-ce qui leur arrive là? Oh, oh. Alors, les démons sont vraiment moches, ils sont impurs. Ils sont les anges de Dieu qui sont purs. Alléluia. Voilà. N'allez pas dire, ça y est, il s'égare là. Donc, on nous dit quoi encore? On nous dit qu'il avait des ailes bien déployées et Dieu l'avait placé sur la sainte montagne de Dieu. La montagne de Dieu ici, c'est le royaume. Dans la Bible, les montagnes représentent le royaume. Voyez, donc Satan, ça veut dire que Satan avait en même temps
une autorité gouvernementale. Donc il gouvernait. D'accord? Il était établi sur la sainte montagne de Dieu. Regardez dans Ésaïe 33. Gardez cette page-là. On va rapidement dans Ésaïe chapitre 33. Non, allons plutôt dans le psaume 15. Merci Seigneur. Vous voyez, je veux le lire, hein, psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Vous voyez frère, la question est posée, qui peut demeurer sur la montagne de Dieu? Donc la montagne ici, c'est vraiment le royaume de Dieu. Donc Satan était établi sur le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Et il avait l'autorité gouvernementale. Donc il gouvernait, il dirigeait. C'était un grand chérubin. D'accord? Des grandes ailes. Quand il est déployé, j'imagine que les autres anges étaient émerveillés. Waouh, quelle beauté! Vous vous rendez compte, frère? C'était un grand ange. Et la parole dit qu'il était intègre. Tu étais intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Waouh, vous vous rendez compte, frère? Comme tout le monde disait, ah, t'es beau. T'es beau. T'es beau. Eh bien, l'orgueil a commencé à prendre place dans son cœur. Voyez? Attention aux belles paroles, frère. L'orgueil a commencé à monter, à prendre place dans le cœur de Lucifer. Et il est dit que l'iniquité et la méchanceté étaient trouvées dans son cœur. Comment, là où était Dieu, comment, là où Dieu règne, l'endroit le plus pur de l'univers, des cieux, comment cela est-il possible? Comment Satan ait pu se corrompre? À côté même, étant à côté même de Dieu. Bah oui, c'est la grâce que le Seigneur lui avait faite. Le ministère qu'il avait l'a corrompu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les talents qu'on a reçus de Dieu. Si on ne fait pas attention, on va suivre la même chose, le même chemin que Lucifer. Et vous allez comprendre comment il procède pour détruire les églises, pour détruire les familles, détruire les hommes. Dieu l'avait équipé. Ah oui. Vous avez vu dans la Bible, aucun autre ange ne combat Lucifer si ce n'est que Michael. Aucun autre ange? Ah non. Dans le royaume de Dieu, frère, il y a des règles. Il y a des règles. Ce n'est pas un ange messager qui va aller combattre Lucifer. Non. C'est Gabriel même, ce n'est pas son affaire. C'est Michel ou Michael. Voyez? Et d'après les Écritures, à cause de son orgueil, Ésaïe 14 l'appelle l'astre brillant. Voyez? Donc il brillait, terrible. Et à cause de son orgueil, Dieu le précipite, le chasse du ciel. Mais il n'est pas parti seul. C'est le premier rebelle. Les rebelles ne partent jamais seuls. Ils partent toujours avec quelques, n'est-ce pas, zouailles. Alléluia! Toujours. Et là, il s'en va et la Bible dit, maintenant, voyez, tout ce que Dieu lui avait donné, tous ces dons qu'il avait reçus, qu'est-ce qu'il va en faire?
il va s'en servir maintenant contre Dieu. Il va utiliser tous ses, n'est-ce pas, talents contre Dieu, contre son œuvre et contre les hommes et les femmes qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui veulent plaire Dieu à Dieu, qui veulent le servir avec leur cœur, avec intégrité. D'abord, on l'a présenté comme étant parfait. Donc, la beauté par excellence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Satan, quand il a été chassé du ciel, il est devenu la laideur personnifiée. C'est l'inverse. D'accord? Et maintenant, étant descendu sur terre, il va tout faire pour amener les hommes et les femmes à devenir de plus en plus beaux. À mettre l'accent sur la beauté, la beauté, la beauté, d'où la mode, justement. Alléluia. Les hommes embellissent quoi? De la poussière. La perfection. Le mot perfection ici veut dire accompli. Rien ne lui manquait. Rien. Et la sagesse est devenue la ruse. La ruse. Et également la philosophie. Philosophia, en grec, l'amour de la sagesse. Paul dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Et qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles? La sagesse humaine. Vous voyez? Ah! Qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles théologiques? De la sagesse humaine. Et là encore, ce n'est pas l'enseignement. Je vais développer sur le commerce. On n'a pas écrit là. Vous voyez, d'abord, on parle d'abord des belles choses que le Seigneur lui avait données. Le jardin d'Éden, tout ça là, il l'a laissé au ciel. Et maintenant, il va poursuivre Adam. Quand il est tombé sur terre, il s'est transformé en serpent. Et il va maintenant tout faire aussi pour que Dieu chasse l'homme de son Éden. Parce qu'il a perdu le sien. Il arrive, il parle à la femme. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faudrait pas manger tous les fruits des arbres du jardin? Il savait que Dieu n'avait pas dit ça. Il savait. Et la femme engage le dialogue avec, alors qu'on ne doit pas dialoguer avec Satan. Voilà comment elle va manger ce fruit. Et également son mari. Et les deux vont être chassés par les chérubins protecteurs du jardin d'Éden. Comme Satan. D'accord? Il a réussi. Et les pierres précieuses. Vous avez vu, frère, quand il est descendu sur terre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à corrompre l'humanité en mettant dans nos cœurs l'amour pour les pierres précieuses. Vous avez vu à quel point les hommes s'entretuent pour les diamants? Pour de l'or? Vous avez vu ce frère, des lingots d'or sont stockés dans des coffres bancaires alors que des millions de gens meurent de faim. Un homme va avoir des tonnes et des tonnes de lingots d'or dans son coffre de banque tandis que son voisin n'a pas à manger. Voilà l'humanité. Nous sommes réduits, mes amis, je ne sais pas à quoi, la monnaie est devenue plus bête que les animaux. Et ce sont ces messieurs qui s'habillent en costume et cravate, qui ont bac plus 40 et qui gèrent la finance du monde. Voilà. Excusez-moi du terme, mais la bêtise. Vous savez, moi, j'ai plus le temps à perdre. Hein. Ça passe ou ça casse. Voilà. Je ne prêche même pas pour que vous soyez avec moi. Là. Ça ne m'intéresse même pas. Là. Je prêche pour que vous allez au ciel. Voilà. D'accord? Voilà. C'est incroyable.
Oh, 12 carats. Il s'en va même des pins. 500 euros le pins. Homme de Dieu. Et des chrétiens français que nous sommes. Comme il n'y avait pas suffisamment de pins. Ça, c'est un ministère américain qui est venu à Paris. Quelle grâce. Il n'avait que 93 pins, 18 carats. 500 euros la pièce. Alors, des milliers. Il y a eu la course des chrétiens. Oh my God. Oh Seigneur, s'il te plaît, Jésus, reviens. Alléluia. Vous avez vu ces rappeurs avec des grosses chaînes ici et là, frère? Voilà, Satan. 18 carats, machin, tout ça là, gros gourmet. C'est impressionnant. Satan, les pierres précieuses, frère. Oh my God, oh Seigneur, aide-nous. Tu te payes une pierre qui coûte 4000 euros, je ne sais pas quoi, tu mets ça, ça fait quoi? 4000 euros, tu aurais pu nourrir les gens? Tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer avec. Voilà comment l'homme est devenu bête. Alléluia! Oh non, moi j'ai une cuillère en or, frère, la cuillère en or. Moi j'ai la main que Dieu a créée, je peux manger avec ma main, frère. La cuillère en or, là. Alléluia! Frère, ah! Écoutez-moi un peu, là, vous les sages. Les sages de ce siècle. Parce que quelqu'un mange avec la main, mange à la main, vous croyez que la personne n'est pas éduquée. Mais Adam n'est pas né avec une fourchette. Dis à ton voisin, formatage luciférien. Vous allez être délivré ce soir. Du complexe. Ça veut dire que Dieu s'est trompé quand il nous a créés. La vraie cuillère, c'est cette main-là. La vraie fourchette. Tu ne peux pas avoir honte, tu attrapes un poisson, tu manges. Frère! Oh, que Dieu nous aide, frère. Arrêtez de jouer aux hommes sages. Couteau, machin, pour tout ça, là, machin, tout. Frère, dis à ton voisin, sois naturel. On acclame la parole de Dieu, frère. Dieu a créé Ludovic toute chose bonne. Les hommes ont cherché beaucoup de détours. Oh, que Dieu nous aide. Les pierres précieuses. Vous avez vu, frère? Les geôliers, comment on appelle ça? Les bijoutiers. Vous avez vu, frère? Ça attire les gens volent, les gens vont braquer à cause de l'or, à cause des diamants, tout ça là. Eh bien, c'est Satan qui est derrière tout ça là. Les instruments. Oh mon Dieu. La musique. Frère, vous avez vu Madonna? Elle embrasse une femme sur la scène. Sur scène comme ça. Oh Seigneur, aide-nous. Cette génération est complètement, excusez-moi du terme, pourrie. Cette génération est perdue. Et les gens vont suivre des cérémonies avec les Beyoncé, avec les je sais pas, le Michael Jackson, tout le monde. Regardez-moi, le petit Michael Jackson partout, les idolâtres à la maison. Tchaka, 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 tchaka. C'est... Frère! Alléluia! Vous connaîtrez la vérité. Avec la musique, là, on t'envoûte. Donnez-moi 5 noms de musiciens chrétiens qui sont sanctifiés. Vous êtes là, là. Donnez-moi 5 noms de musiciens chrétiens qui craignent Dieu. Il n'y en a pas. Soyez honnêtes. La musique, Satan l'a corrompu. La musique est toujours associée à la débauche, à l'immoralité sexuelle, à la drogue. J'étais dans une chorale, dans une église baptiste. Mon dirigeant était un soulard.
impudique. La plupart des chanteurs là, me laissent tomber. On était petits. L'impudicité. Vous avez vu ce clip de soi-disant chrétien? Vous avez vu ce clip? Sur un seul chant, le musicien va se changer 3-4 fois. Et c'est vous qui achetez ces CD diaboliques. Vous avez amené Lucifer dans vos maisons. Alléluia! Frère, moi, je parle. Dieu m'a dit, crie, sonne la trompette. J'ai plus d'amis. Mon seul ami, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Que tu m'aimes ou pas, je m'en fiche. Mais je veux te parler. Même si je suis en train de mourir, même le jour où je serai en train de mourir, si Jésus ne revient pas là, je continuerai à sonner la trompette, frère. Ma bouche sera ouverte comme ça, en train de sonner. Parce que je vais tellement obéir au Seigneur. Même si les médecins veulent la fermer, là, elle ne va pas se fermer. Parce qu'il faut parler. Dis à ton voisin, il faut parler. Alléluia! Comme je partirai avec l'enlèvement, c'est terrible. Vous avez vu ces chrétiens qui chantent? Ça, c'est Lucifer. Je vous parle de l'église luciférienne, c'est tout ça là. C'est la mode dans l'église. C'est la ruse dans l'église. Les églises sont devenues les édens des pasteurs, les jardins des pasteurs. C'est-à-dire, s'ils ont faim, ils vont cueillir les mangues pour manger. Ils n'amènent pas ce fruit à Dieu. C'est eux qui mangent ce fruit. Ils disent, non, c'est mon fruit. C'est le fruit de mon travail. Je dois manger. Manger quoi? Ils sont couverts de pierres précieuses. Les instruments, la musique. Alors, arrêtons-nous 2 secondes sur la musique chrétienne. Vous avez vu quel chantre dans la Bible faire un concert payant, frère? Soyons vrais. Vous suivez pour suivre. Vous êtes là aussi quand il y a des concerts payants. Vous allez payer. Dis à ton voisin, tu vas en enfer. Si tu continues comme ça. Comme ça, tu ne pourras pas dire que le frère Chorel n'avait pas parlé. Je vous dis tout. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé le ministère, j'ai vu comment Dieu m'a soutenu. Maintenant, là, comme je vois que Dieu est fidèle, alors je veux de plus en plus vous dire la vérité, frère. Parce que celui qui te dit la vérité, il t'aime. Je sais qu'ici, il y a des envoyés de Satan. Mais prenez toutes les notes. Prenez. Et allez dire à Lucifer, ce monsieur-là, il a parlé de toi. Parce que ce n'est pas moi. C'est écrit dans la Bible, frère. S'il veut m'attaquer, qu'il attaque mon Dieu. Comme on ne peut pas l'attaquer, qui peut oser attaquer Dieu? Frère, c'est mon père. Dis à ton voisin, c'est ton père. La musique. Concert payant. Photo. Affiche. Droit d'entrée, 20 euros. Attention, les billets sont vendus à la FNAC. Hein? Ou à Carrefour. Et une grande chorale habillée en soutane. À l'américaine, gospel. Wow, 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 wow. Ça teste les voix. Ça passe sur France 2 et ils sont contents. Nous sommes passés sur France 2. Vous allez prêcher quel évangile sur France 2? Dis à ton voisin, le commerce, on en arrive. Suivez bien de chez vous la maison là-bas. Demandez à vos amis de se connecter. Parce que ce soir là, c'est chaud. Oh, vous sortez vos albums. Écoutez d'abord, le concert est rentré dans les églises. Dans les églises luciférienne. Asaph, David, les fils de Corée, tous ces musiciens sous la loi ne faisaient pas des concerts mondains. Ils chantaient dans le temple de Dieu pour Adonai. Ils étaient tous oints et prophètes. Sous la loi, la grâce. Donnez-moi un seul verset. Vous avez vu un concert payant. Les chrétiens adoraient Dieu avec leurs chants, avec leurs instruments dans les églises. Dieu, frère, s'il veut des concerts payants, il allait écrire ça. Tout ça, c'est parce qu'il y a le commerce. On va voir pourquoi
Satan a mis en place les églises lucifériennes. Pourquoi beaucoup de pasteurs suivent-ils Satan? C'est parce qu'il y a le commerce derrière. Et on va voir quel est le démon qui est à la base de ça. Alléluia! Oh, ce soir, frère, les œuvres des ténèbres seront dévoilées. Bien comme il faut là. On va rentrer dans le combat spirituel bien comme il faut là. Et le musicien vient, il monte sur l'estrade, et au milieu du fumigène, tout ça, des jeux de lumière comme dans une boîte de nuit. Et tous les projecteurs sont braqués sur le musicien. La salle est pratiquement dans l'ombre. Alors qu'au ciel, quand on adore Dieu, tous les 24 vierges sont à genoux. Seul Dieu est assis. Tout le monde est à genoux, frère. Gabriel est à genoux. Michael est à genoux. Et là, nos musiciens sont là, chrétiens. Ils sont là comme des véritables stars américaines. Et ça fait des techniques vocales. Ya, 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 ya. Et les gens, oh Seigneur, nous t'adorons. Dis à ton voisin, vous adorez Lucifer. Le Dieu du commerce. Il y a eu le concert d'Exo il y a quelques années au pavillon Baltar. Hein? Le monsieur qui avait organisé ce concert m'avait invité pour prêcher. Vous étiez là, non? Ceux qui étaient là. Qui était là ce jour-là? Hein? Il y avait au moins 4000 personnes là. Frère, on a tout cassé. Hein? Il m'a dit 15 minutes. Je dis c'est suffisant, même une minute seulement là. On va tout casser pour présenter Christ aux gens. Parce que nous sommes fatigués. Frère, il vient me voir pendant la pause. Il me dit, est-ce que tu peux pas me prêter 5 000 euros parce que Exo ne veut pas monter sur scène sans cette avance. Je lui ai dit, moi, te prêter 4 000 euros pour donner à Exo. Parce qu'ils ne peuvent pas chanter sans cette avance. Mais tu ne me connais pas, mon ami. Même si j'avais cet argent. C'est quoi cette affaire, frère? C'est quoi ce business dans l'église? Eh bien, c'est Satan. C'est pour cela, au lieu d'écouter les autres musiciens, là, vous devez acheter vos instruments de musique vous-même pour commencer à adorer Dieu. Qui t'empêche d'apprendre à jouer de la guitare? Qui? Ce n'est pas l'âge. Hein? Même si tu as 90 ans, tu peux apprendre à jouer d'une guitare. Parce que nous sommes feignants, complètement formatés, babylonisés. Les instruments de musique. Dieu, aide-nous. Qui s'est rendu compte que la musique chrétienne est paganisée? C'est terrible, hein? Il n'y a pas plus fier que les chantres chrétiens. Il n'y a pas plus possédé que les chantres chrétiens. Il y a d'abord eux, ensuite il y a les pasteurs. Et parfois les pasteurs, en fonction de la température spirituelle, parfois les pasteurs passent en premier et voilà. Et les vrais pasteurs sont cachés. Dis à ton voisin, ils sont cachés. Comme les marabouts chez vous aussi. C'est pareil, tu vois, non? Ben, les marabouts, ils mettent leur photo carrément là, c'est autre chose. Tu vois, c'est pour cela qu'il faut suivre Jésus, mon frère. Alléluia! J'espère que ton pasteur ne va pas voir ton visage sur la caméra là parce que... Ou ton chantre préféré. Parce que je sais que vous êtes là, vous rigolez, mais vous avez des chantres comme ça chez vous à la maison. Il y a même des gens ici qui ont leur pasteur au pays, attitré, à qui ils envoient la dîme pour qu'ils prient pour eux, comme le vrai marabout. Le pasteur prie pour moi pour me dire dans quelle saison je suis. Je vous connais. C'est pour cela que Dieu me dit maintenant, il parle de plus en plus. Voilà. Hein? Attends. Pour les marabouts qu'on dit au pays, partout dans le monde, si je suis malade, je vais chercher un marabout, il m'a fait des fétiches, tout ça, c'est des faux.
ses défauts, il faut que nous tous, on doit retourner sur Dieu. C'est ça qui est important. Tout c'est faux, contre les musulmans, les chrétiens, partout c'est faux. Il faut qu'on retourne sur Allah, c'est Jésus. Ça, Dieu, Dieu, Jésus. Seulement, Jésus, oui, voilà. C'est tout. Alléluia! Ça arrive là! Alléluia! Voilà! Dis à ton voisin, tout est faux! Seul Jésus est vrai! Alléluia! Jésus est magnifique. Vous allez chez les catholiques, vous allez voir avec l'orgue, ça vous endort. Dis à ton voisin, Satan est dedans. Non, il n'a pas entendu, Satan est dans l'orgue, là. Il est dedans. Alléluia. Autre chose, par rapport à la musique. Vous avez vu? La plupart des producteurs de musiciens chrétiens sont païens. Dis à ton voisin païen. Même quand ils se disent chrétiens, ils sont païens. Ils boivent du vin, ils boivent du whisky, ils se saoulent. Dis à ton voisin, ils sont païens. Vous avez vu Asaph dans la Bible aller collaborer avec un producteur païen? Vous avez vu Asaph aller voir un Égyptien pour faire une collaboration? Asaph, tu vas où? Je pars en Égypte. Faire quoi? Non, j'ai un album à sortir. On m'a dit qu'il y a un producteur là-bas en Égypte. Dieu avait dit, vous ne repartirez pas en Égypte. Alors pourquoi tous ces musiciens chrétiens vont-ils chercher des producteurs païens? Dis à ton voisin, c'est parce que c'est le commerce. C'est du commerce. Nous cassons vos baraques là. Vous les musiciens là, on casse tout là. Vous allez être simple, vous allez adorer Dieu simplement. Qui est d'accord avec ça? Mon frère, c'est quoi ton ministère? Moi, je suis chantre. Non, tu n'es pas chantre. Il est dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Donc, si tu es adorateur, je suis aussi adorateur. Les instruments. Frère, alors, il est dit dans Ézéchiel 28 que... Vous me direz, mais il est dur ce monsieur. Je sais qu'il y en a qui disent, mais il est dur. Écoute, continue à penser comme ça, c'est ton problème. Mais si tu meurs dans ce péché-là, tu vas en enfer. C'est un enfer que tu diras, non, il n'était pas dur finalement. J'espère que tu n'iras pas là-bas. Il est dit, par la grandeur de ton commerce, voilà, l'église luciférienne est une église qui fonctionne avec la mentalité, avec l'esprit commercial. Hein, le commerce. Pourquoi beaucoup de gens veulent-ils répondre à l'appel? Commerce. Pourquoi beaucoup de gens veulent-ils sortir des albums? Commerce. Pourquoi beaucoup de gens veulent-ils sortir leurs livres? Commerce. Ben oui, frère. Laissez-moi vous parler clairement ce soir. L'église luciférienne est une église qui fonctionne avec l'esprit commercial. Ben oui. Et des commerciaux. C'est les commerciaux, ce sont ces gens qui vont dans les rues faire du prosélytisme. Ils ne présentent pas Jésus aux païens, mais ils parlent de leurs églises. Comme quelqu'un qui présente un produit. Vous comprenez? Alléluia. Un produit qui marche. Frère, voilà, nous distribuons des traités, des flyers, tout ça. Mais c'est quoi? Ah non, mais c'est notre église. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ton église. Parle-moi de celui qui peut me sauver. Viens dans notre église, tu vois. Mardi soir, nous avons enseignement. Mercredi soir, intercession. Jeudi soir, nous avons culte de femmes. Vendredi, culte d'hommes. Et le samedi, la jeunesse. Venez, frère, voilà l'esprit commercial. C'est pour cela, écoutez bien, cette génération... Les églises de cette génération vont en enfer. Laissez-moi vous parler clairement, frère. Moi, là, je veux me sauver aussi. Je pleurais cet après-midi devant Dieu. Je disais, Seigneur, sauve-moi. Je veux être sauvé. Je veux te suivre. Ah oui, frère. Ma maison et moi, nous voulons être sauvés. Le commerce
Vous savez, Satan est le premier commercial de l'histoire biblique. Bah oui, il avait des talents, il avait la sagesse, il avait les pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'il en a? Il en a fait? Eh bien, il est devenu commercial. Il a commencé à commercer, à faire du commerce avec la grâce de Dieu. Et bien, quand il est descendu sur la terre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a possédé les hommes, il a commencé à utiliser, n'est-ce pas, la grâce qu'il avait de Dieu, qu'il avait corrompue, pour manipuler les hommes et les femmes que Dieu a appelés, les incitant à devenir des commerçants comme lui. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a trouvé que le temple était devenu une caverne de voleurs. Ah ah, parce que Satan était dedans. Eh bien, nos églises sont devenues des cavernes de voleurs. C'est de la vente pure et simple, du marketing, du management, tout ça là. C'est rentrer dans l'église, le marketing, le marché, dans l'église. Tout est payant. Le baptême est devenu payant pour beaucoup de pasteurs. Marier les gens, quoi que ce soit pas une, n'est-ce pas, que ce soit biblique, mais il faut payer. Les délivrances sont payantes. La formation biblique, payante. Elle n'y est plus, justement. On ne la trouve ni dans les églises, dans les bâtiments, ni dans les cathédrales, ni dans les mosquées. La vérité a disparu, mon ami. Les pasteurs ne veulent pas prêcher sans salaire. Ils vous disent, mais nous devons avoir un salaire. L'esprit commercial, l'esprit luciférien, c'est l'esprit commercial. C'est pour cela qu'ils sont devenus professionnels. C'est pour cela qu'ils ont transformé la fonction pastorale en un métier. Avec une retraite. Alors qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas avoir de retraite. Ni de vacances. Parce que même si tu pars en vacances quelque part, si tu trouves l'ennemi que tu reviens quelque part, Dieu te dira, lève-toi, va lui prêcher la parole. Tu trouves un handicapé, tu lui dis, lève-toi et marche. Nous ne sommes jamais en vacances, frère. Tout le temps, nous allons nous reposer là-haut au ciel. Ce soir-là, on va tout casser dans nos têtes-là. On va tout renverser, tout, tout. Dis à ton voisin, l'église luciférienne est une église commerciale. Ah ah! Vous avez vu, frère, le mot latin « merx » a donné en français « marchand ». D'accord ? Et encore « commerce ». C'est terrible, hein ? Et vous savez, qui c'est qui est derrière « merx » ? Mercure. Le messager de Dieu. Le messager de Zeus. Vous savez, dans Actes 14, Paul et Barnabas arrivent à Derbe, à Lystre précisément. Ils opèrent, Dieu les utilise pour opérer un miracle. Un boiteux de naissance va être guéri. La Bible dit que dans cette ville de Lystre, il y avait le temple de Mercure. Les prêtres de Mercure, quand ils ont vu cela, ils ont dit, Paul, n'est-ce pas, et Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole, et Barnabas et Zeus. Vous voyez, frère? Le commerce. Et les prêtres de Mercure sont allés prendre des animaux pour offrir un sacrifice. Satan les a utilisés pour amener Paul à l'orgueil, pour pousser Paul au commerce, pour qu'il commerce, qu'il utilise les dons qu'il avait reçus pour devenir millionnaire, frère. Satan va utiliser Simon le magicien également. Il ne dort pas, Satan. Il veille. Il est là en train de chercher des victimes potentielles. Satan a vu comment Dieu utilisait Pierre dans la Samarie. Il va utiliser Simon le magicien, son serviteur, pour proposer de l'argent à Pierre. Pour que Pierre commerce, pour que Pierre utilise les dons qu'il avait reçus, l'onction qu'il avait reçue, afin de s'enrichir. C'est pour cela, écoutez bien, je vous dis, hein, si vous utilisez le ministère que vous avez reçu pour manger, si votre vision c'est ça là, prêcher pour manger, faire sortir des albums pour manger, si vous mourrez comme ça sans vous repentir, vous allez droit en enfer. Donc c'est le dieu Mercure qui est
qui est le Dieu des commerçants. En fait, c'est Lucifer. Mercure est également appelé le Dieu des prophètes. Le prophète par excellence. Les marchands. Vous avez vu ces pasteurs, ces chrétiens qui font du business alors que Dieu les a appelés pour être des prophètes, qui vont créer des entreprises avec les frères et sœurs. Vous avez vu comment le marketing est rentré dans l'église? Vous avez vu comment le management est rentré dans les églises, frères? On vend de l'huile d'onction. On vend des bouts de terre de Jérusalem. On vend des cartes postales avec la photo du pasteur. Des calendriers avec la photo du pasteur. Et le pasteur va vous dire, je vous prêche la parole, vous devez me nourrir. Je mérite un salaire. Ça menace les gens. Ah ben c'est l'église luciférienne. C'est Lucifer qui est là, le commerçant par excellence, qui pousse les gens à se faire de l'argent sur le dos du Seigneur avec leur ministère. La vente des mouchoirs aux États-Unis par des grands ministères connus. Et les gens achètent. Un pasteur français m'a appelé un jour. Il me dit, on m'a parlé de toi. Est-ce que tu peux venir à notre réunion Montparnasse, dans tel hôtel? J'ai réuni plusieurs pasteurs et nous travaillons avec des Américains. Je gagne 30 000 euros par mois. Et si tu veux, tu peux gagner autant que moi. Et il était question de vendre des produits du Herbalife, quelque chose comme ça là. Mais il ne m'avait pas précisé. Il m'a mis la pression pendant. Je lui ai dit, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, me servir des églises que nous avons implantées ici et là pour vendre des produits ou pour aller négocier avec un comme Yongi Cho l'a fait malheureusement, avec un banquier pour que tous les chrétiens aillent ouvrir des comptes dans cette banque. Mais vous voulez. Satan est trop rusé, frère. Alléluia. L'église luciférienne, le commerce. Nous sommes dans une génération où tout tourne autour du commerce. Tout tourne. Regardez bien, tout tourne autour de l'argent. Tout. Business. Tout tourne autour de. C'est impressionnant. Satan reçoit des pierres précieuses. Satan reçoit la sagesse. Satan reçoit l'intelligence de la part du Seigneur. Et la Bible dit qu'il avait une grande commerce. Il était un grand commerçant. Il a commencé, la Bible dit, par la grandeur de ton commerce. Donc c'est un grand commerçant. Il a commencé à négocier avec les anges. Il a commencé à vouloir s'enrichir, à vendre sa beauté, à vendre ça. C'est les pierres précieuses. Eh bien, il fait la même chose avec les pasteurs. Il fait la même chose avec les prophétesses. Il fait la même chose avec les chrétiens aujourd'hui. La même chose. Quand Dieu te donne une belle voix, ma soeur, mon frère, dis-toi que Lucifer n'est pas loin. Il va envoyer des Simon, les magiciens, qui viendront avec l'argent. Il va envoyer des gens qui viendront pour te corrompre. Ah, tu as une grâce. Ah, tu prêches bien. Ah, tu as l'onction. Frère, combien de gens ne m'ont-ils pas proposé de l'argent? Oh, si vous le saviez. On ne vous dit pas tout. Hein? Combien de gens ne sont-ils pas venus de loin pour dire quitte Paris, viens avec nous ici. Voilà la villa. Je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas.
Viens, la villa ici. J'ai visité une villa, frère, avec la villa, rien que la salle à manger. Elle faisait, la salle à manger faisait au moins 200 mètres carrés. Wow! 9 chambres au bord de la mer. Ici en France. Frère, quitte Paris, viens ici, on m'a dit. On va te donner un salaire par mois. Viens, on va organiser des programmes de réveil ici et là. Frère, je dis ok, laissez-moi prier Dieu. Mon ami, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes imputrescibles. Des hommes et des femmes incorruptibles, frère. Tout le monde n'est pas obligé de devenir Satan. Frère, j'ai prié. Oui, Seigneur, je préfère ma bicoque là-bas, là. Avec toi. Plutôt que mes amis, une villa où il n'y a pas Dieu. Frère, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. La nuit, Dieu est venu me voir. Non, Dieu parle aux gens qui sont intègres. Aux gens qui le cherchent de tout leur cœur. Même s'ils ont des défauts, Dieu voit les intentions de leur cœur. Alléluia. Frère, Dieu est venu me voir. Il m'a dit, nunca. Tu n'iras pas là-bas. Comme disent les Portugais, tu restes sur Paris. Nunca, tu ne bouges pas. J'ai appelé les amis, je dis, je ne viens pas. Comment je ne viens pas, je reste ici. Pas de commerce. Frère, en dessous de la maison en question, il y avait un appartement avec, oh my God. Je pouvais même leur dire, écoutez, je viens, je veux un 4x4. Ils allaient me payer le 4x4. Le commerce. Dis à ton voisin, le commerce. Un autre couple est venu. Frère. Ah Dieu, Dieu est bon. Le commerce. Je me rappelle, ce monsieur avait une villa. On était encore à Draveil, parce que Gilbert, tu te rappelles. Il avait une villa avec au moins 20 chambres. Ah, la villa là. Quand on y entrait, le couloir, tu pouvais marcher, te fatiguer. Le monsieur avait une grosse voiture, la Buick, tout ça, une américaine. Il y avait les moyens. Il dit, quitte Paris, là, nous voulons, viens avec moi, je vais t'amener dans le monde entier, on va faire des programmes de guérison ici et là. Je dis, frère, moi, là, je suis Jésus, le commerce. Frère! Laissez-moi vous dire que plus de 90% des pasteurs d'aujourd'hui sont des commerçants. Plus de 99%, vous allez dire, mais il est fou. Plus de 99% des chantres chrétiens sont des commerçants. C'est qui un commerçant chez les chrétiens? Un commerçant chez les chrétiens, c'est quelqu'un qui a reçu des dons comme Lucifer. Pierre précieuse, dons, belle voix, prédication, connaissance. Et qui va maintenant commencer à organiser des programmes pour se faire de l'argent? Qui va commencer maintenant à mettre en place des partenaires financiers pour s'enrichir? Qui va commencer, mes amis, à utiliser la grâce de Dieu, non plus pour élever Christ, pour présenter Christ aux hommes, mais pour remplir ses poches? Hier, on a fait une annonce pour vous dire qu'on avait besoin d'argent pour TV de vie. Frère, nous avons eu assez, ne donnez plus. Et dis à ton voisin, c'est biblique. Donnez pour autre chose. Mais c'est ça la parole. Quand Moïse a demandé aux enfants d'Israël de donner de l'argent pour, n'est-ce pas, de l'or pour bâtir le tabernacle, à un moment donné, il y en avait trop. Il a dit, il faut arrêter. Mais c'est ça l'évangile, frère. Dieu pourvoit. À un moment donné, il faut dire aux frères et sœurs, on a eu assez, maintenant arrêtez. Le reste, il ne faut pas donner pour que ça aille dans les poches des anciens ici, frère. Tant que je serai debout, aucun de vous ne sera volé ici. Tant que Dieu me gardera en vie. Vous comprenez, frère? Pas de commerce. Oh, je quitte le ministère pour faire maintenant du théâtre, tout ça, pour vendre, machin. Je quitte le ministère maintenant pour faire... Frère. Quel est le prophète qui a quitté le ministère pour faire je ne sais pas quoi, là, frère? Hein? Dis à ton voisin, il a besoin d'une délivrance. Non, il n'a pas entendu. Depuis quelque temps, je suis devenu un homme solitaire. Un homme qui suit Jésus. Tu viens au programme, tu ne viens pas, ce n'est pas mon problème. Mais comme tu aimes Jésus, tu seras quand même là.
Parce que tu as besoin de recevoir le message du temps pour aller le diffuser, frère. Alléluia! Même si tu disparais pendant 4 mois, 5 mois, parce que Dieu t'a établi, parce que Dieu t'a appelé, il va quand même t'obliger à suivre le message. Si ce n'est pas par moi, ce sera par quelqu'un d'autre. Et demain, c'est toi qui vas parler. Oh frère Chora, je quitte le ministère. Maintenant, je vais faire le ministère de chantre. Frère, donnez-moi un passage du ministère de chantre. C'est quoi ça, le ministère de chantre? Hein? 15. Il n'y a pas. Non, dis à ton voisin, il n'y a pas. Voilà mon combat. On casse toutes les, tous les business là, on casse tout ça. Moi là, je veux que Jésus seul soit élevé. Dis à ton voisin, ce monsieur n'aime pas autre chose que Jésus. Il n'aime pas quelqu'un d'autre que Jésus. Et ceux qui aiment Jésus, je les aime. Ceux qui n'aiment pas Jésus, je les aime aussi. Et parce qu'on les aime, on leur dit la vérité au nom de Yeshua. Vous avez vu un homme qui va être grand, 1m90, qui va être beau, tout, commerce avec son corps. Hein? Commerce. Oh non, Jean-Paul Gaultier m'a contacté. C'est ça là? C'est pour aller faire le défilé. Défilé. Je défile. Mais mes amis, que ces omelettes soient délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Non, Dieu m'a donné un beau corps. Moi, je suis une belle fille. Alors, je vais aller montrer à tout le monde comment mes cuisses, machin, tout ça là. Maillot de bain, tout ça là. Voilà, mais voici défilé de mode. Dis à ton voisin, commerce. Est-ce que vous savez qu'il y a des défilés de mode dans les églises maintenant? Bien sûr. Il y a même un pasteur en RDC très connu qui a une église de 4000 personnes qui organise du match de catch dans son bâtiment d'église. Oh frère. Frère, à Londres, en Angleterre, beaucoup de pasteurs ont créé des associations. Vous savez, là-bas, quand vous créez une association cultuelle, le gouvernement vous donne une subvention. Voyez, donc ils créent des églises comme ça, des associations de loi 1901-1905. Ils sont subventionnés et l'argent, ça va dans la poche. Commerce. Vous savez que beaucoup de ministères organisent des séminaires comme nous autres là, ici là. Et ils font des appels de fonds pour avoir de l'argent. Ils organisent de tels programmes, ils s'invitent, ils se disent, viens prêcher, venez prêcher chez moi. Vous allez faire un appel de fonds et nous allons partager la somme. Ils font des appels de fonds, parfois 100 000 euros. Et à la fin du programme, ils vont se voir dans le bureau. Le prédicateur qu'on invite pour faire l'appel de fonds va réclamer un pourcentage. Admettons 20%. Ben oui, Aurélie, ouvrez les yeux. Pourquoi les gens me combattent comme ça là? Pourquoi les gens disent que je suis sorcier, magicien, que je maudis leurs enfants, frères? Grattez derrière, vous êtes enfants de Dieu, ouvrez les yeux, priez. C'est parce que le commerce de la frère a pris place. Et le message que Dieu m'a donné, ça casse leurs ambitions. Un pasteur a appelé un frère pour lui dire, dis quand même à Chora, toi qui es à côté de Chora, dis à Chora, lui il a assez mangé, qui nous laisse manger? Je connais ce pasteur. J'ai mangé quoi? Hein? J'ai mangé, je suis toujours à Longjumeau. Quand on mange, on se retrouve à comment? Dans le 16e. J'ai mangé la parole de Dieu. Est-ce que vos yeux s'ouvrent ce soir là? Qui commence à voir plus clair là, un peu là? Ben oui. Les enveloppes qu'on distribue là. J'avais un exemplaire là. Dis à ton voisin le commerce. Ah, il n'y a pas. Le pasteur Blaise m'a appelé la dernière fois de Kinshasa. Il me dit, deux avocats l'ont contacté. C'était des avocats d'un pasteur très connu là-bas pour lui mettre la pression parce qu'il anime un programme sur la chaîne nationale où il diffuse nos vidéos. Et il se trouve que les personnes qui travaillent à cette chaîne, dans cette chaîne sont touchées par le message. Et deux avocats d'un pasteur l'ont appelé pour lui dire, change le nom de ton émission, parce que son émission s'intitule La Dernière Trompette.
la trompette sonne. Ils lui ont mis la pression. Ce sont les païens qui lui ont dit, c'est pas grave, pour éviter des problèmes, change le nom seulement de ton émission. Il a mis la dernière trompette. Et là, je l'ai eu encore. Il continue quand même à le combattre. Parce que le message dérange. Parce qu'ils ont des villas, piscines, tout ce que vous voulez, 2-4 villas. Il y en a. J'ai un ami pasteur avec qui j'ai travaillé. Il a plus de 5 4x4. Tu étais à Kin là-bas? Tu l'as vu, non? Voilà. Francis peut le confirmer. Ce n'est pas des mensonges. Nous ne sommes pas là pour vous casser qui que ce soit. Nous voulons que vous compreniez. Nous ne vous disons pas suivez qui que ce soit. Nous vous disons suivez Jésus. Voilà le message. Alléluia. Et arrêtez de dire qu'il y a des fans. Oh, je suis fan de... Parce que, une parenthèse, un jeune enfant a prêché ici la dernière fois. Un couple est allé le voir pour lui dire, nous sommes tes fans. Vous êtes fan de qui, là? Vous n'êtes pas fan de Jésus, vous êtes fan des gens. Mais vous avez besoin d'une... On a besoin d'une délivrance. Dis à ton voisin, il faut qu'on soit délivré. Un enfant de 11 ans qu'on a voulu déjà... On veut le tuer dans l'œuf. Voyez? Ah non, Dieu m'a donné des chants, alors je ne veux pas les diffuser. Seigneur, les musiciens chrétiens, il y en a beaucoup parmi eux, frères, quand ils reçoivent des chants, soi-disant du Seigneur, ils ne veulent pas que les frères et sœurs les écoutent. Tant qu'ils ne sont pas mis sur CD, masterisés, dupliqués, vendus. Moi j'ai reçu des chants, non? Les poux, on vous l'a vendu combien? Hein? Mobali nanga komona ye yesu. On y va un peu, Loïc. Alléluia. Jesus. On peut monter un peu? Yes. Vous connaissez ce chant, non? Mobali. On peut monter encore, non? Comme on a Yesu, Yesu, Yesu. Tu ne connais pas ce chant? Allez-y. C'est gratuit, dis à ton voisin, c'est gratuit. Mbali nanga, comment on a yé? Yesu, oh. Chantre professionnel, mais Dieu m'a donné un chant et puis c'est gratuit. Arrêtez la mystification, je sais pas quoi, l'époux. Oh là là, Seigneur, aide-nous. Voilà notre chant que Dieu m'a donné, mais pourtant je suis pas chanteur. Vous savez, tout,
Et oh, que Dieu nous aide, frère. Il ne faut pas faire du commerce avec l'œuvre de Dieu, tout ça là. Qui connaît ce chant là, les poules là? Quelqu'un qui chante là, qui chante, qui a une belle voix là. Pour chanter ça pour Jésus. Ah oui, c'est bon? Tu peux y aller? S'il te plaît. Quand on est adorateur, quand on est dans sa présence, on peut recevoir des versets, des chants, et on ne peut pas faire du commerce avec cela. Même les livres que Dieu me fait écrire, je le donne plus que je ne le vends. Et la petite partie qui est vendue, c'est pour aider l'œuvre, pour sortir encore d'autres livres. Beaucoup de gens viennent me voir, frère, on n'a pas l'argent. Je dis, mais allez prendre là-bas. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et il y a des gens qui m'ont mis la pression dans le passé pour dire, non, mais c'est à cause de toi que le ministère n'a pas d'argent. Parce que tu donnes gratuitement. Je leur ai dit, c'est la vision que Dieu m'a donnée. C'est la vision biblique. Le Seigneur m'a toujours soutenu financièrement et je continuerai dans cette vision-là. Vous savez, comme il y a beaucoup d'églises qui s'implantent ici, là, les gens veulent s'en servir pour vendre leurs affaires. Je leur ai dit, jamais, pas de commerce avec Dieu. Pas de commerce. Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je bénis Dieu parce qu'avec les frères qui gèrent le studio de musique de vie, Loïc, tout ça, ils ont fini pratiquement leur album qui va sortir bientôt, un album instrumental. Ils vont mettre en place un site sur le net. Ils vont mettre cet album sur le net à la disposition de tous les frères et sœurs, gratuitement. Le commerce. Un jour, un pasteur est venu des Antilles avec des petits, vous voyez, livrets comme ça, qu'il avait écrit. Il y en avait plein. Je lui ai posé la question, tu le vends? Il me dit oui. Combien, frère? J'avais mal. 15 francs français à l'époque. C'était combien déjà là? 15 francs français, c'est combien? Voilà. 3 euros. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. J'avais mal, mais comment cela est-il possible? Non, 50 francs. Ouais, 50 francs. Le commerce. Philippiens, chapitre 3, verset 18. Quelqu'un peut-il nous le lire? Tout pessi au kembo l'okumu. Père, je t'aime. Tout somboli ma boko. Combo na Yahweh, yon zat
Donnons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire, ô Père. Commerce avec la grâce de Dieu. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Toi, Seigneur. Oh oui, je sais. Un jour, je sais. Oh Seigneur. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes incorruptibles qui
qui vont annoncer le royaume. Oh Père, tu dois refuser le commerce avec ton corps. Tu ne vas pas te prostituer pour avoir de l'argent. Tu ne vas pas te prostituer avec Jézabel, avec Lucifer, pour avoir de l'or. Tu ne vas pas vendre ton onction, femme de Dieu. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu s'éleveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh oui, un jour je sais, c'est un jour je sais, un jour je sais, qu'il se lèvera. Je sais, naïe bien, à côté les mains, motoa souka na bomboy na ga, naïe bien. Jésus.
Elombatelemi, 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 Elombatelemi. Alléluia. Amen. Wow. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Le commerce. Le commerce. Tout est fait pour. Et la ruse, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 2, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des fausses doctrines, des sectes pernicieuses. Par cupidité, ils vous exploiteront. Voilà le commerce. Au moyen de paroles trompeuses, ils vous exploiteront. Voyez, des gens qui vont venir pour vous voir, ils vous viendront vous voir pour vous dire, voilà, tu es mon fils spirituel. D'accord? Je dois te protéger. Je veux te couvrir. Donc, je veux te protéger. Donc, il faut faire des offrandes prophétiques. Frère, le commerce, le commerce, le commerce, le commerce est rentré dans les églises. D'accord? L'église est luciférienne. Ah, tu es ma fille de la foi. Voilà. Tu dois venir faire à manger chez moi. Le commerce. Tout est bon pour soutirer de l'argent. Tout est bon pour soutirer. Vous savez, j'ai parlé une fois avec une personne qui chante. Elle avait fait un contrat avec un monsieur païen, comme d'habitude, malheureusement. Et ce païen lui disait, écoutez, en fait, il lui a donné, je pense, allez, 20 000 euros, quelque chose comme ça. Et le contrat stipulait bien que... Merci. Ah, toi, t'es touché, là, que Dieu soit béni. Dieu est bon. Voilà. Alléluia. Dieu est magnifique. Que Dieu te bénisse. Et c'est-à-dire, cette personne qui chante ne pouvait pas donner des concerts sans l'aval de ce producteur. Et c'est terrible. Si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir que Satan est assis dans beaucoup d'assemblées. Il est là, présent. Vous me poserez la question, frère, comment faire alors pour trouver la vraie église? Ne la cherchez pas, vous n'allez pas la trouver. Par contre, cherchez Yeshua. D'accord? Bâtissez une relation solide avec Jésus-Christ de Nazareth. Chez vous, à la maison. Dis à ton voisin, à la maison d'abord. C'est là que ça commence. Vous savez, vous êtes trop vitaminés pour Lucifer. Quand il voit les chrétiens remplis du Saint-Esprit, il veut à tout prix les croquer. Ah oui. Et quand il voit les malades, les gens malades. Vous savez, une femme française est venue me voir au bureau tout à l'heure. Elle me dit, elle a entendu parler de nous. Elle est catholique. Elle dit, j'ai beaucoup de malades et cancéreux avec moi. Et elle veut tous les amener. Et des gens comme ça qui viennent malades, s'il y a l'esprit du commerce dans l'église locale, ou si un pasteur est touché par l'esprit luciférien, celui du commerce, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, les offrandes. Les gens sont désespérés, les gens sont condamnés par la médecine. Ils sont prêts à tout pour avoir la vie, pour avoir la santé. Et ils sont prêts à faire des gros chèques. Ils viennent nous voir pour nous dire, frère, pasteur, j'ai l'hépatite C, j'ai l'hépatite A, je suis malade, condamné, tout ça par la médecine, j'ai un cancer de foie, cancer d'estomac, tout ça. Eh bien, écoute, sœur, ma sœur, mon frère, eh bien, fais une offrande qui te coûte cher. Et tu vas voir, Dieu va se glorifier. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, toi qui es malade, je veux te dire ceci. Le Dieu qui guérit les malades ici va te guérir gratuitement. Je veux que tu comprennes ceci.
On va amener une corbeille ici. D'abord, tous ceux qui sont malades, là, condamnés par la médecine, amenez, on va écrire sur un bout de papier là, vos problèmes. Là. On va prier tous ensemble. Frère, un acte prophétique comme on a fait la dernière fois, là, Dieu me dit de le réitérer encore. Dieu guérit les gens gratuitement. Cet après-midi, pendant que je priais, Dieu est venu me visiter à la maison. Frère, c'était terrible. Il me dit, je veux me manifester encore puissamment. Ils disent que vous voyez là, c'est rien. Il dit, c'est moi qui permets tes combats, là, tes adversaires. C'est lui. Il dit, rappelle-toi de Pharaon. J'ai endurci le cœur de Pharaon pour que mes miracles éclatent. Il dit, c'est lui qui a endurci les cœurs. Parce que, frère, le bâton de Moïse. Frère, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, je vous dis, à moins que Dieu ne soit pas Dieu, frère, cherchez Yeshua. Cherchez Yeshua. Que personne ne vous dise, oh, frère, j'ai ouvert une église, venez, dis à ton voisin, c'est une entreprise. Ah, c'est pour cela que Dieu m'a fait écrire un livre, pasteur ou chef d'entreprise. Qui n'a jamais lu ce livre-là? Je veux lui offrir. Il y a encore quelques exemplaires là. Ceux qui n'ont pas les moyens, là, on va vous offrir ce livre-là. Là. Quelqu'un peut même aller vite faire au bureau là-bas, au siège. On va donner ce livre, on va offrir quelques livres aux gens qui n'ont pas les moyens. Pasteur ou chef d'entreprise. Dans cette entreprise pastorale qu'on appelle église locale, malheureusement, comment ça fonctionne? Quand tu arrives, d'abord, on va te donner une fiche à remplir. Nom, prénom, date de naissance, métier, fonction, travail, tout ça. Là. Marié ou pas, frère, tout ça. Là. En quoi cela te concerne-t-il? Que je sois marié ou pas, que je sois avocat ou pas, que je sois chômeur, en quoi cela te concerne-t-il? Ok, tu remplis la fiche. Ensuite, on te demande, est-ce que tu es baptisé? Non, bon, on va te baptiser. 10 euros, parce qu'il faut payer la carte de membre. Qui a déjà payé la carte de membre dans son assemblée ici? Vous voyez, carte de membre. Vous l'avez acheté, votre carte de membre? Vous l'avez là avec vous là? Ok. Carte de membre. Ensuite, vous êtes maintenant membre de l'entreprise pastorale. Et là, il faut payer, parce que vous êtes membre d'une société secrète, il faut payer aussi les impôts qu'on appelle la dîme chaque mois. Et si ce n'est pas le cas, l'huissier, le pasteur, va venir vérifier. Vous avez l'épée Damoclès au-dessus de vos têtes. Et vous n'avez pas le droit d'aller visiter d'autres entreprises. Et cette entreprise, elle fonctionne à plein régime chaque dimanche matin. Et vous, vous êtes là pour bâtir les magasins du Pharaon. Le commerce. Et dans cette entreprise, il y a une hiérarchie. Pour accéder à la fonction supérieure, il faut être fidèle, non à Dieu, mais à l'homme de Dieu. Il faut également comptabiliser un certain nombre d'heures. De fidélité à l'assemblée. Ah, cette sœur est toujours fidèle. Elle est toujours assise à cette place. Diaconesse. Je vous assure, quand on vous colle un tel titre, vous ne pouvez plus quitter l'entreprise. C'est fini. Parce que vous êtes fonctionnaire. Alléluia. Les démons, on les cherche où? Ils sont là, les démons. Ils sont là. Les démons opèrent. Ils sont là. Ils sont là. Ça travaille. Quand Jésus va revenir, frère, vous savez que l'enlèvement peut avoir, je vais finir bientôt, ne vous inquiétez pas, l'enlèvement peut avoir lieu du jour, peut avoir lieu d'une seconde à l'autre, là, à la telle que nous sommes là, parce que Dieu a caché la véritable église pour votre information. Il la cache de plus en plus. En fait, l'enlèvement va avoir lieu en deux temps. Premièrement, Dieu cache les vrais chrétiens
il le sort du système des hommes. D'accord? Complètement. Il les sort du péché. Ensuite, on va disparaître. Si tu fais du commerce avec Lucifer, avec ton corps, avec tes biens, avec ton ministère, avec ta voix, sache que si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. C'est pour cela que Jacques disait aux riches, pleurez, votre or est rouillé. Votre argent est pourri. Quel message? Où sont les hommes comme Jacques? Jacques était terrible. Il était intransigeant. Si Jacques venait dans nos églises aujourd'hui, frère, il va tous les casser. Tous. Toutes ces églises, elles vont fermer. Elles vont fermer. Elles vont dire, tous ces pasteurs, elles vont s'asseoir là pour apprendre les affermissements. Qui est Jésus? C'est quoi la croix? C'est quoi le salut? La nouvelle naissance, c'est quoi? Les musiciens, la vont apprendre ce que c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est la mort de soi-même. La mort par rapport au péché. Ça va mourir. Maintenant, si Paul arrive là, ici, là, je crois que beaucoup, plus de 80% des chrétiens d'aujourd'hui vont être livrés à Satan. Si Paul arrivait ici, je vous dis, plus de 80% des prophétesses, elles vont s'asseoir avant d'avoir la bouche fermée. Et elles seront formées par leur mari à la maison, comme Paul l'a dit. Si Paul revenait aujourd'hui, frère, les jeunes qui prêchent le message et qui sont dans la compromission, là, qui sont complaisants avec le péché, Paul va leur dire, asseyez-vous. On m'a appelé même aujourd'hui pour me dire, il y a un des jeunes, n'est-ce pas, qui prêche la parole, qui est tombé depuis des années avec une femme, une sœur. Oh, que Dieu nous aide, frère. Quel scandale! J'ai eu mal. Alors qu'il est marié. Et la même sœur avec qui il couchait, allait aussi avec un autre monsieur marié dans la même assemblée. Là, c'est le commerce. Je vais vous dire une chose, frère. Moi, là, je ne prêche pas pour vous dire, suivez-moi. Moi-même, là, je sais que mon jugement sera terrible. Oui, je vous dis, mon jugement, là, sera terrible. C'est pour cela que je ne vous dis pas de me suivre. Je vous dis, suivez Jésus. Je ne vous dis pas de suivre les pasteurs et les hommes. Je vous dis de suivre Jésus. Je ne vous dis pas d'aller dans une cathédrale, là, à la mosquée. Je vous dis, suivez Jésus. Oh ma soeur, j'ai une vision. Je veux commencer un ministère. Mon frère, tu as une vision, c'est ta vision. Moi, là, ma vision, c'est Jésus. Pas de commerce, frère. Si Jésus revenait dans nos églises, il va prendre un fouet. Je crois même pas le fouet n'est pas assez fort. Il va prendre carrément, frère, une chaîne. Il va chasser tous les vendeurs de pigeons du temple. Vous avez vu ces pasteurs américains qui vendent leurs tasses avec leur effigie dessus? Et où sont les prophètes ici en Europe? Ils sont où? Où sont les prophètes en France? Ils sont dans les fédérations, ils sont dans les bâtiments, ils sont enfermés. Ils sont où? Prophètes qui viennent prophétiser Dieu. Les gens font la queue pour avoir chacun sa prophétie avec son cahier, avec son stylo. Les vrais prophètes, quand ils viennent, les gens cachent leur cahier, là, frère. Parce qu'ils leur disent, si vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Vous êtes là, c'est l'impudicité, c'est l'adultère, boîte de nuit, tout ça là. Vous allez faire du commerce avec Lucifer. Et vous voulez que Dieu vous bénisse, frère? L'église luciférienne, on ne parle pas du péché, on ne parle pas de l'enfer. Et pourtant, les gens vont passer l'éternité dans un lac de feu. Mais on ne leur dit pas, les jeunes, oh non, tu as 14 ans. On ne te dit pas que si tu continues la masturbation, tu vas en enfer. Mon ami, laisse-moi te dire, jeune homme, jeune fille, si tu meurs comme ça, là, c'est l'enfer. Je vais te dire la vérité, tu vas prendre l'avion pour aller en vacances. Mais l'avion peut tomber. Vous êtes là dans la compromission. Le péché est là, vous caressez le péché. Vous dites, non, c'est pas grave, Dieu t'amour. Vous allez à l'enfer. Il y a comme une sainte colère de Dieu. Dieu n'est pas notre copain. Jésus n'est pas mort à la croix pour que vous soyez encore là, copain, copine avec le péché. Vous êtes là, vous conduisez là sans permis. Le commerce luciférien, luciférien. Vous conduisez là sans permis, sans assurance, chrétien, pasteur.
Les gens jouent avec leur vie sans savoir que l'enfer est sous leurs pieds. Quand Satan s'est rebellé, quand Satan a commencé à faire du commerce, Dieu l'a chassé du ciel. Déçu. Il est devenu Satan. Tout est basé sur l'argent, le commerce. Tout est commerce. Tout. Tout. Prêcher, c'est pour manger. Chanter, c'est pour manger. Tout. Tout. On fait un séminaire, c'est pour manger. Tout est calculé. Bien comme je sais de quoi je parle. J'ai vu ce système, frère. J'ai vu ce système à mes côtés. J'ai vu ce système à là. Même jusqu'à ce jour, je le dénonce ouvertement. Je dénonce. Même parmi mes collaborateurs, il y en a qui me disaient, toi, ce que tu gardes, c'est parce que tu n'aimes pas l'argent. Je sais. Parce que c'est l'argent derrière. L'argent. Quand un frère ouvre une entreprise et que ça marche, on commence à tourner autour de lui, tout ça là. L'argent! Comment c'est possible un homme de Dieu qui passe toutes ses nuits sur Skype, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui n'a pas le temps pour méditer, pour s'occuper de sa femme, de ses enfants, qui est là sur Skype pour parler au monde entier, homme de Dieu? Il n'y a plus d'intimité. L'église luciférienne, le commerce. Ne vous inquiétez pas. Je vous assure que l'enfer est grandement ouvert. Je peux entendre les cris des gens qui sortent des églises et qui pleurent. Seigneur, aidez-nous. Jésus, sauve-nous. Ils sont en train de descendre dans un trou. Dans un trou. Terrible. Dans l'abîme sans fond. Il y a des cris terribles qui remontent de l'enfer. Oh, si on savait. Oh, si on nous avait prêché la sainteté. Oh, si on nous avait parlé de Jésus dans toute sa splendeur. On nous a prêché les églises. On nous a prêché les pasteurs. On nous a prêché sur Mammon. On nous a prêché sur la richesse de ce monde. Oh, si mon pasteur m'avait prêché Jésus. Les gens descendent tout bas. Fini. Vous avez cru que Jésus peut vous guérir et étendre le péché comme ça, sans vous repentir. Vous avez pris Dieu pour qui, frère? Le commerce. On fait des retraites, on fait des séminaires. C'est pour l'argent. Le commerce. Tout est basé sur le commerce. Vous savez, je vous dis, frère, Dieu que je sers, le Dieu de la Bible est vrai. Je ne veux pas le décevoir. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi vrai, d'aussi fidèle. Il prend soin de ses serviteurs. Donc, ce n'est pas la peine de les vendre vos corps, d'aller faire des appels bizarres là pour avoir des sous, d'aller parler de vos problèmes d'argent aux gens. Un homme de Dieu n'expose pas ses problèmes d'argent aux âmes. Parce que le Dieu qui appelle le semeur lui donne la semence et lui donne du pain pour sa nourriture. Il n'est pas là pour dire aux partenaires financiers, donne-moi l'argent, je veux faire un programme. Non! Dieu te met une vision, il va toucher lui-même les cœurs de gens. Élie n'a pas été chercher un corbeau. C'est Dieu qui a parlé au corbeau pour amener la nourriture à Élie. Frère, ouvrez les yeux. Je vous dis, prédicateur, si vous mourrez comme ça, là, vous allez à l'enfer. Je veux vous dire de la part du Seigneur. Vous mourrez, vous allez à l'enfer. Pendant que tu te masturbes là, tu meurs comme ça, là, tu vas à l'enfer. Même si tu chantes bien. Même si tu connais la parole de A à Z, tu vas à l'enfer. Le jeune qui a couché avec cette femme pendant des mois et des mois, alors qu'il est marié, je lui disais, tu as un ministère de prophète, fais attention. Copain, on devient copain, on est la camaraderie dans l'œuvre de Dieu. On est potes, on se tape là. Le sacré n'est plus respecté. Parce que c'est la cité. Dieu vous dit, vous allez en enfer. Maintenant, sa femme qui a plus de 3 enfants la pleure, qui vient un peu d'accoucher. Pourquoi? Parce que les jeunes ici, c'est la cité. Dieu de la cité. Vous allez en enfer, jeunes gens. Continuez comme ça. C'est le muscle physique qui parle maintenant. C'est le cow-boy spirituel. Vous savez ce que c'est gérer une âme? Vous savez ce que c'est diriger 2 ou 3 âmes? Mais vous avez hypothéqué votre vie? Vous savez?
Satan, je veux, et quand il voit que tu diriges comme ça, il vient à côté, il va te pousser au commerce. Il va mettre à côté de toi des gens complaisants, des gens qui ont la ruse, une fausse sagesse, pour vous caresser, pour vous amener dans une sagesse diabolique, la philosophie. Non, Dieu va comprendre. Non, Dieu est amour. Ils ne vont pas parler ouvertement du péché. Ils vont caresser pour dire que ce n'est pas grave. Vous êtes là, je sais. Je ne cherche pas à être votre ami. Là. Même si vous avez de l'argent, là, votre argent est pourri. Votre argent, les billets, là, c'est quoi? C'est de la pourriture. Vos maisons, là, vont tomber en lambeaux. Dieu est en colère. Je vois le Seigneur avec ses yeux tout rouges. Il est debout. Avec une épée. Il est en train de séparer de les nations le blé de l'ivraie. Parce que l'enlèvement va avoir lieu bientôt, frère. Je vois des anges guerriers qui sont debout aux quatre coins de la terre. Qui sont là. Et je vois l'ange qui va sonner la trompette. Qui est debout. Qui est debout. L'ange a la trompette. Dans sa bouche. L'ange a la trompette dans sa bouche. L'ange est debout. Il attend l'ordre de Yeshua. L'ange est debout déjà. Le chauffeur est dans sa bouche. Je l'ai vu. Il est debout. Et Dieu regarde parmi son peuple. Beaucoup de commerçants. Ils regardent. Ils ont reçu des dons, des talents. Au lieu de le fructifier pour glorifier son nom, pour amener les âmes au ciel. Ils commencent à amener les âmes en enfer. À faire du commerce. À se complaire dans le péché, frère. Oh, jeunes gens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. L'enfer est sous vos pieds. Ouvrez les yeux. Craignez Dieu. Sœur vient de dire là ce que Dieu me disait cet après-midi à la maison pendant que je priais. Il est venu me visiter, ce qu'il me disait. Un nouveau message pour les nations parce que Jésus est à la porte. Et beaucoup de gens vont en enfer. L'ennemi a réussi à séduire beaucoup de gens par la ruse. Il a réussi à séduire beaucoup de gens. Ils ont commencé à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont commencé à manger la sorcellerie, la magie, commencé à se masturber. Le péché dans les églises, frères. Le péché a pris de l'ampleur dans les cœurs des chrétiens. Le péché a pris place, mon ami. L'argent, l'amour de l'argent, la cupidité, frère. La compromission, la rébellion, les murmures, frère. Et Dieu dit, il est temps maintenant que ceux qui veulent aller au ciel se repentent. Il est temps maintenant que les gens se tournent vers lui. Il est temps maintenant que vous sortiez de l'idolâtrie. Il est temps maintenant que vous pleuriez pour vos familles. Il est temps. Parce qu'il va y avoir des surprises. Les gens vont se réveiller un matin comme ça, il n'y a plus personne. Beaucoup de gens ont disparu, fini, parti. C'est fini. Et c'est la marque de la bête. Ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de croire qu'on a encore le temps. On a encore le temps. C'est fini. Le temps est fini pratiquement, la frère. Je vois le Seigneur avec une horloge. L'aiguille est sur minuit. La grande aiguille est sur minuit. Sur 12.
C'est fini, frère. Et à minuit, quelqu'un crie, voici l'époux. Et les vierges sont réveillées et prennent. Elles vont prendre leurs lampes avec de l'huile, celles qui sont sages. Elles vont commencer à se sanctifier, à se purifier. À se sanctifier. À se purifier, à se laver. Pendant des années, vous avez suivi les hommes. Pendant des années, vous avez suivi les enseignements des hommes. L'heure est arrivée. Vous devez maintenant vous laisser être enseigné par le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. L'heure de là. On doit laisser toute la place à l'Esprit de Dieu de nous enseigner la parole révélée. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu amène la vie. La parole de Dieu amène la vie. 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 Father, I love you. Father, I need you. You are my Lord. You are King of Kings. Lord, I need you. I talk to you now. Oh Lord, Jésus, je t'aime. Sanctifie-toi, fille d'Abraham. Sanctifie-toi, sanctifie tes oreilles, sanctifie tes yeux, sanctifie ta bouche, sanctifie ton corps, ton esprit, ton âme. Le ministère ne te conduira pas au ciel. La prédication ne te sauvera pas. Prêcher ne te sauvera pas. Chanter ne te sauvera pas. Jésus seul peut te sauver. Il est temps que tu te sanctifies, jeune fille. Il est temps que tu abandonnes la convoitise, jeune homme. Il est temps que tu te sanctifies, que tu te sanctifies. Il est temps, il est temps, il est temps. Le salut est personnel. L'église de Yeshua va prêcher sa personne. L'église qui sera enlevée est une église qui se purifie tous les jours. Est une église qui est persécutée, mais dans la persécution, Dieu la sanctifie. Dieu la nettoie, Dieu la lave, Dieu la purifie. Voilà pourquoi Dieu permet la persécution dans ta vie. Parce qu'il est en train, au travers de la persécution, il est en train de te monter, de te sanctifier, de te purifier. Il est temps que tu abandonnes tes idoles. Il est temps que tu abandonnes tes idoles. Il est temps que tu réalises que cet homme est devenu une idole pour toi. Tu dois te détourner de lui parce que Dieu veut te sauver. Jeune homme, beaucoup de jeunes vont en enfer parce qu'ils ont mélangé Dieu et la cité. Ils ont mélangé Dieu et la délinquance. Beaucoup de jeunes vont en enfer parce qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de modèles. Mais le Seigneur est en train de te dire, il est temps maintenant que tu te sanctifies. Il est temps maintenant parce qu'il compte sur toi. Il veut que tu prêches la parole véritable, la parole pure. Il veut que tu l'expérimentes, que tu la vives, cette parole. Il veut que cette parole te change, me change. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ça doit être ta position maintenant. Même si tu te retrouves seul, tu dois confesser que tu vas servir le Seigneur. Je le servirai, je le servirai. Même si mes amis m'abandonnent, je le servirai. Même si mon père m'abandonne, je le servirai. Même si ma mère me quitte, je le servirai. Je servirai mon Dieu. Même si je suis dans un désert, je servirai Dieu. Même si je me retrouve en prison, je servirai Dieu. Je chanterai pour sa gloire. Je vivrai sa parole. N'aie pas peur que les gens te disent que tu es orgueilleux parce que tu es dans ton coin, parce que tu cherches à suivre Dieu. Tu dois te décider maintenant. Il est temps que tu te décides aujourd'hui. C'est le jour de ta décision. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton ancien ne te sauvera pas, jeune homme. Personne ne te sauvera. Écoute, personne. Ne va pas en enfer, s'il te plaît. Jeune homme, ne va pas en enfer.
quand tu plottais cette jeune femme, Dieu t'a vu. Quand tu as touché son corps, quand tu caressais son corps, ses seins, Dieu t'a vu et il veut que tu te sanctifies. Ceux qui veulent abandonner le péché sexuel, courez, courez ici. Courez ici. Courez. La convoitise, toutes ces choses-là, là, venez. On va prier pour vous. La chair t'attache encore au péché sexuel. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu en as assez. Le Seigneur a vu ton cœur. Vous êtes libéré de ce péché sexuel. Au nom de Yeshua. Jesus. N'ayez pas honte. Venez faire honte à Satan. Venez l'exposer totalement. Exposer ses œuvres totalement. Toutes ses œuvres. Père, merci. Le péché blesse le cœur du Père. À chaque fois que vous péchez, à chaque fois que vous allez sur des sites pornographiques, à chaque fois que vous vous masturbez, à chaque fois que vous couchez avec cet homme, cette femme, à chaque fois que vous péchez sexuellement comme ça, là, vous ouvrez des portes aux démons de l'enfer. Vous faites du commerce avec votre corps. Et comme vous vous êtes levé pour exposer les ténèbres, Dieu va vous libérer maintenant au nom de Yeshua. Que les démons de sexe maintenant vous quittent. Que les démons de sirène des eaux maintenant vous sakarabashalala. Allez, sirène, partez. Allez, sortez. Allez, allez, allez. Quittez, quittez ce corps. Voilà, comme ça. Allez, go, allez, go, allez, go. Allez, sors d'elle. Allez, quitte-la comme ça. Allez, quitte-la au nom de Yeshua. Allez, quitte-la. Allez, quittez. Allez, quittez. Allez, quittez. Allez, quittez. Allez, quittez ce corps maintenant. Serpent, quitte-la. Quitte-la. Allez, quitte-la. Quitte-la. Quitte cet homme. Les démons vont vous quitter là. Levez vos mains. Levez vos mains. Ils vont vous quitter. Au nom de Yeshua. Tu peux fermer tes yeux là. Les démons vont sortir là maintenant. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sors d'elle. Allez, sortez. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sors. Allez, quittez. Allez, partez. Allez, partez. Voilà. Allez, go. Voilà. Elle vous vomit. Elle vous vomit au nom de Yeshua. Allez, sors d'elle. Allez, quitte-la. Quitte-la, sirène. Allez, pars d'elle au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Voilà, ça part là, ça part, ça part, ça part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, quitte-la, allez, quitte-la, quitte-la. Elle ne veut pas de toi. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Allez, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Jesus. Allez, quitte-la. Que ce démon de sexe là, que ce démon qui vous lie à la, au péché sexuel maintenant là, vous quitte définitivement. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Au nom de Yeshua. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Cette jeune fille ne veut plus de toi. Voilà. C'est fini, ton règne est fini dans ce corps. Jeune fille, Jésus te rend libre. Jésus. Merveilleux Père. Tout ce que tu es.
que tu es, Seigneur. J'ai une vision, j'ai vu une jeune fille. La terre s'écartait comme ça, là, je l'ai vue descendre tout droit en enfer. Et je l'ai entendu crier, sauve-moi, 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 sauve-moi. C'est trop tard. Trop tard. Fini. Et un homme, un jeune homme, les démons l'ont attrapé. Il la tire, hein, pour la tirer en enfer. Ils ont réussi à l'amener, à l'entraîner en enfer. Nos églises sont tellement dans les commerces qu'elles ne prêchent plus la sainteté. Très peu. C'est seulement des églises de maison, deux ou trois églises comme ça, là, ici et là, où il y a deux ou trois personnes qui vivent la parole, mais sinon, c'est plus le commerce. Plus il y a du monde, plus il y a l'argent. Le commerce. Donc pour ne pas que les gens partent de l'église locale, il ne faut pas leur parler sur l'enfer. Il ne faut pas parler sur la sanctification. Donc du coup, eh bien, les bâtiments sont remplis et les gens donnent. Les gens donnent. Donc du coup, ces pasteurs ont des visions des grandes églises. Des églises de 10 000 personnes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le succès, il y a la gloire, il y a l'argent. Parce que plus ton église locale est grande, plus tu vas être respecté par tes amis pasteurs. Voilà la fausse vision qu'on a compris, qu'on a eue de l'église. Les gens qui veulent recevoir le baptême ce soir, levez les mains. Si tu es là, nous allons te baptiser. Si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, il peut lever simplement la main si tu es là. Gloire à Dieu. Amen pour la main levée. Dieu est bon. Les malades, les personnes condamnées par la médecine, si on a déjà prié pour vous, ne venez pas. Ceux qui sont condamnés par la médecine, venez. On va vous faire une onction d'huile. Ouais, c'est bon. Merci Loïc. Ludo, est-ce qu'on peut prier pour les gens, s'il te plaît? Seigneur, guéris cet homme. Jésus fait de miracles. Oh Seigneur, qu'il soit délivré, délivré ce soir, on en dit un chaud. Ça va? Belle onction sur elle. Oh my God. Regarde-moi cet enfant. Wow. Incroyable. Tu peux la laisser là. Laisse-la par terre. Wow. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur, cet enfant-là. Wow. L'onction l'a complètement figée là au nom de Yeshua. Jesus. Oh, tu es magnifique, Seigneur. Quitte cet enfant au nom de Yeshua. Quitte cet enfant. Allez, quitte-la. Allez, quitte-la. 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 Au nom de Yeshua. Allez, hop. Lève-toi. C'est bon. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Alléluia. Que Dieu soit béni. Allez, c'est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus.
Merveilleux Seigneur. Wow. Ça va aller. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Amen. On va prier pour lui. Alléluia. Seigneur, que cet homme soit délivré de tout esprit de schizophrénie, tout esprit de folie, au nom de Yeshua. Qu'il soit libre, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia. Il y a une belle onction de guérison là ce soir ici là. Oh. Oui, les gens qui sont malades peuvent écrire leur maladie là, on met ça sur le panier là, prophétiquement. On a dit Yeshua. Écrivez votre maladie là, votre ex-maladie. Alléluia. Ce n'est pas un gris-gris. Non. Reviens, reviens encore. Tu marches maintenant, hein? Oui, je marche. La restauration a commencé. Amen. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen, c'est ce que je voudrais faire. Oui, pour faire honte à mes ennemis. Alléluia. Et ils vont avoir honte au nom de Yeshua. Amenez-moi encore l'huile d'onction là. Oh, Jesus. Zambé, Samba Sala Kabika moi. Oh, Mobali Kitoko. Oh, c'est bon. Jésus fait. Viens, viens, je prie pour toi. Oh Seigneur, merci. Oh alléluia, gloria mandala kasakara bakar. Oh alléluia. Oh, il y a une belle onction sur elle là. Oh, oh, oh. Jesus. Oh my God. Oh my God. Il y a une belle onction de délivrance. Dieu la libère de toutes sortes de peurs et elle va chanter pour la gloire de Dieu. Oh, oh, magnifique le Seigneur. Viens, 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 viens. Ouais, viens, jeune homme, viens. Il y a une belle onction sur nous là ce soir là, Ludo là, magnifique. Alléluia, oh, alléluia. Jesus. Regarde-moi l'onction sur lui là. Oh, 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 oh. Wow. On peut acclamer le Seigneur, frère. Donc, il y a une belle onction ce soir. Zamba sala kabika moi. Oh, Jésus, oh, Dieu fait des miracles. On peut chanter en chinois. Laisse elle là, Aurélie. Ça sert à rien de vouloir la redresser. Elle peut pas. Elle a reçu une forte décharge. La puissance de Dieu. Jesus. Jesus. Oh my God. Jesus. Oh, Jesus. Kolo salaka bika moi Yesu yonde mobali nanga. Jésus fait. Vous répondez par Jésus fait des miracles. Jésus fait de miracles. Yo mobali kitoko. Oh.
Alléluia, alléluia, alléluia. Regarde-moi l'onction qui est ce soir-là. On acclame le Seigneur, frère. Jesus, oh, Yeshua Salaka, Jesus. Jesus. Mais c'est grave ce soir. C'est grave ce soir. Hein? Jesus. Jesus. C'est grave ce soir. Oh my God. Oh my God. Jesus. Oh, come on, Abakada. Oh, 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 oh. Jesus. Allez, sort, allez, sort, allez, sort, allez, sort. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God, c'est fini, 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 fini. Il y a une onction là. Oh my God, oh la baka, saka la baka. Courez la, courez la, courez la, courez la, courez la, courez, courez. Jesus, aidez-les, aidez-les, aidez-les. Yeshua salaka, pika moae. Oh, oh, oh my God, oh my God, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, il y a une gloire là, là, ce soir là. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Venez, 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 venez. Et de laisser fort, hein, mes amis. Oh, Dieu est là ce soir. 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 Oh. Oh, il y a quelque chose de fort là ce soir là. C'est magnifique. Aidez-les, 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 aidez-les. Aidez-la. Oh, aidez-la, aidez-la. Aidez-la, aidez-la. Voilà, voici sur toi, aidez-la, voici sur elle. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh Jesus. Jesus, oh Jesus. Allez, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Oh my God. Oh. Acclamez le Seigneur, frère. Alléluia. Jesus, Gloria Barabashalaka. Gloria Barabakarabas. Jésus fait de miracles. Oh. Il y a un esprit en forme de fumée. Qui est en train de sortir d'un corps. Cette personne a beaucoup souffert. Beaucoup. Et le Seigneur l'a conduite ici pour qu'elle reçoive sa pleine délivrance. Ce démon est démasqué. Il essaie de se cacher. Mais le Seigneur l'a vu. L'esprit impur, écoute-moi très bien. Tu vas quitter ce corps définitivement et tu amènes cette maladie que tu as engendrée dans la vie de cette personne. Au nom de Yeshua, écoute-moi très bien, ma sœur. Le Seigneur a vu tes larmes, tes souffrances. Cet esprit ne va plus jamais te tourmenter. C'est fini, 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 fini. Fini. C'est le jour de ta libération, de ta délivrance. La puissance d'épilepsie est brisée ce soir. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Donne-moi ta main. Tu as eu un problème avec ce bras? Ce bras là, ça va? Oui, ça va. C'est le bras gauche et la jambe gauche. Le bras gauche et la jambe gauche. Tu as fait un AVC? C'est quoi? Ça affaiblit depuis le 3 juillet. Le 3 juillet, le bras gauche et la jambe gauche de cette femme sont faibles. Laissez-la, c'est pas la peine. Vous savez, il y a une forte onction là, c'est la gloire. La gloire, c'est le poids, ça plaque les gens. Hein? Par terre. Vous croyez que là, cette femme, là, ça va aller là? Le Seigneur peut la guérir, n'est-ce pas? Le Seigneur peut... Oh, bien sûr que le Seigneur peut la guérir. Alléluia. Allez, allez, bouge tes membres bien comme il faut. Là. On y va.
Bouge bien comme il faut là. Fais ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, pendant que je tiens ta tête comme ça, là, tu bouges tes membres. Satan est menteur. En même temps, l'épilepsie, là, ça part. Ah oui. J'ai fait confiance à Jésus. Eh bien, tu peux vraiment lui faire confiance. Oui. Alléluia. Allez, rentre chez toi. C'est bon. Vas-y. Jesus. Wow. Il y a une personne que Dieu délivre de mari de nuit ici. C'est ce, cette fumée là, tout ça là. C'est une femme. Je veux te voir. Viens vite ici, là. Cours vite. N'aie pas honte. Je veux te voir. Tu es souvent combattu par cet esprit de nuit. Merci Seigneur. Cette fumée noire là, toute noire. Il y a une femme qui a des problèmes au niveau des côtes, sur le côté gauche. Depuis quelques années, ces douleurs-là, on te fait des scanners, il n'y a rien. Je veux te voir là. Il y a une guérison que le Seigneur veut t'accorder là ce soir là. Je veux te voir vite. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur. Le Seigneur peut la libérer de mari de nuit, n'est-ce pas? Le Seigneur peut la libérer. Vous croyez que le Seigneur peut le faire là? Il est capable de le faire là? Oh, cette femme est délivrée là. Allez, mari de nuit. Son règne est fini. Au nom de Jésus. Oh. C'est bon, c'est réglé. Depuis combien de temps tu souffres de cette côte? 4 ou 5 ans. 4, 5 ans. Hein? Vous croyez que c'est bon là? Hein? Au nom de quand? Aide-la. Il y a l'onction sur elle. Vous savez quand cette onction tombe comme ça là, sur quelqu'un là? Elle opère. Et la maladie ou les maladies s'en vont. Voyez? Il y a une personne qui est ici, ne sent plus le goût des aliments. Hein? Je vais te voir. Il y a une guérison que le Seigneur veut t'accorder. Au nom de Yeshua. Tu as vraiment du mal là, de plus en plus, et ça t'inquiète. Il y a une guérison que le Seigneur veut t'accorder. Au nom de Yeshua. Faut pas avoir honte. Quand le Seigneur montre ta maladie comme ça, là, il faut vite courir. Au nom de Yeshua. Problème de... Voilà. Avec ta langue de goût, le Seigneur veut complètement te guérir. En même temps, il y a une autre femme qui a un problème au niveau de son bassin, au niveau des hanches également, que le Seigneur veut guérir également. Je veux te voir, on va prier pour toi. Il est venu se faire nettoyer à Paris. C'est toi, papa, au goût? On acclame le Seigneur. C'est toi, papa, au bassin? Jesus. J'ai des brûlures d'estomac. Des brûlures d'estomac. Je trouve. La gorge aussi. Tiens ton voisin Jésus là. Ah. Allez. Wow. Jesus. Ça sort là. Ah. Vous savez que c'est un serpent qui est ici. Ludo, c'est un serpent qui est où là, juste ici là. Oh. Là, hein, c'est bon maintenant. Tu peux bouger maintenant. Là. Bouge là où tu avais mal. Là. Oh Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Tu peux boire ce taux là. C'est bon, c'est réglé. Allez, tu pars. Fini. Amen.
Le? C'est bon, ça va aller. Demain, on se retrouve où? Au port. Port aux cerises. À partir de quelle heure? 11h30, nous sommes là-bas. Invitez vos amis. On va passer du bon moment, de bons moments dans la présence du Seigneur. Et Dieu, je suis sûr qu'il va vous faire du bien. Alléluia. N'hésitez pas à être là à l'heure. Soyez là à l'heure dans la prière. Et mardi prochain, on reprend le programme de prière, d'enseignement, de réveil ici. Donc, même si on ne vous a pas touché, Dieu vous a déjà touché. Et je tiens vraiment à bénir le Seigneur, à vous remercier pour votre soutien. Hein, donc, votre soutien, ceux qui nous ont soutenus financièrement, spirituellement, que le Seigneur vraiment pense à vous. Et voilà, soyez fortifiés, encouragés. On se retrouve demain, toute la journée. Voilà.